Le tueur de Pop Smoke, il est en pierre, il veut rien savoir, il n'est pas désolé pour ce qui s'est passé, il s'en fout. Je vous ai mis la tradition anglais-français mot pour mot pour qu'on observe ça. I'm not sorry about nothing. No, it should never happen, but I ain't sorry. If I could go back, I'll go back, but I ain't sorry. Niggas die every day. He was rapping about it, all type of shit. So I ain't sorry about it. Donc en clair, dans la logique tordue du tueur, vu que Post Malone qui rappe la rue, il rappe la violence, il rappe la street. Dans sa logique tordue, le tueur a un droit de vie, une mort sur lui, parce que Pop Smoke rappe ce que le tueur vit. Donc, est-ce qu'ils sont censés vivre tous les deux? Et c'est vraiment une logique tordue. Dis-toi qu'il y a des humains comme ça qui marchent sur la même terre que toi, qui sont là et qui pensent avoir un droit de vie sur l'autre. Et ce mec n'a que 22 ans, en fait. Et ce mec va retourner en prison, il va forcément, sûrement recommettre malheureusement des homicides. C'est un monstre, le gars. Franchement, il est écœurant, je sais pas, dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire.